Salut à tous, c'est Saran, je suis avec... Sanda. Oui, bah comme d'habitude, et on se retrouve pour le nouvel épisode, l'épisode 13 de Pocket Morty. Peut-être le dernier, on ne sait pas, ça dépendra de ce qui se passe, parce qu'on va essayer de battre le dernier membre du conseil, c'était le but du truc. Et est-ce que le jeu va se finir après? Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une espèce de fin? Est-ce que déjà on va réussir à le battre? Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Peut-être que ça va être hardcore de fou. C'est possible, effectivement, donc on verra. En tout cas, épisode 13, c'est plutôt cool, donc épisode qui porte chance, on va voir. Ouais, ou malchance. Ou malchance, mais normalement, le 13 porte chance, hein, donc on va voir ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben oui, l'œuf, c'est bon. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Parce qu'on va aller voir notre petit thé morti. Et je vous avais promis qu'on allait faire évoluer l'œuf. Vous avez été plusieurs dans les commentaires d'ailleurs à nous dire. Oui, l'œuf. Donc il est niveau 14. Je l'ai fait augmenter dans le machin. Et je peux lui donner des objets. Et normalement, est-ce que j'ai 6 machins? Mais normalement, oui, j'ai 6 méga graines. Yeah. Donc on va pouvoir le mettre niveau 20. Cool. Donc, ça va être un petit peu fastidieux. Hein, on va faire tibidibidibip à chaque truc. Tibidibidibip. Plus vite. Et donc du coup on va voir ça, alors vous allez voir le Morty, moi je m'étais spoilé, certains du coup se sont spoilés, il y a même quelqu'un dans les commentaires qui nous a spoilé. Hein. Ouais, qui a spoilé tout le monde. C'est pas possible quoi, tu arrêtes. Et du coup, non, alors je sais pas, alors je voulais vous le faire évoluer au début du niveau, parce que est-ce qu'il va avoir un niveau de ouf ce Morty? C'est ça qu'on savait pas trop. Voilà, et est-ce qu'on va l'utiliser dans notre truc? Je ne crois pas, hein. Je crois qu'il a un niveau de merde hein, quand du coup on l'a, ah, pas par rapport à nos Morty. Niveau 20, donc il se passe quelque chose. Hé, Morty le vrai. Voilà. Ok, nickel. Ouais. Et donc, je vais pouvoir vous montrer à quoi il ressemble. C'était juste pour le fun. Regardez à quoi il ressemble. Bah. Alors, peut-être... Ah bah, ça a bugué. Mais il est bien là. Alors déjà, vous voyez qu'il a une gueule pas possible, là, déjà. C'est ça, c'est le Jésus des Mortis. Il est super classe, statistique. C'est bon, regardez-moi ça, la gueule qu'il a. Il est super classe. Il nous fait le signe comme ça, là. Yeah, comme ça, on sait pas pourquoi il fait ça, on ne sait pas. Et il a le petit œuf de Morty, il a une crête, il est super classe, il a une aura autour de lui. Donc vraiment classe. C'est un Morty unique, ce qui est plutôt cool. Mais du coup, il a pas le niveau qu'il faut pour être dans notre équipe. Donc on va devoir l'enlever. Mais au moins, on l'aura vu. C'est plutôt cool. Et on va essayer de se battre, bah, le membre du conseil. C'est un peu le but de cet épisode. Et bah, on va voir ça. Donc, modifié. Je sais plus qui on va prendre parce qu'il nous faut du coup un type, peu importe. Pierre. Et notre meilleur, c'est un type pierre, effectivement. Donc, bah écoutez, on va se prendre le Morty trou noir que je n'aime pas trop, pourtant, je n'aime pas trop jouer si, avec. Si, au niveau des. Si. Oui, il a la. Effectivement, l'attaque de ouf. Ouais. Et je vais mettre en premier le Morty K. Non, tu l'as retiré. Je suis très con. Ajouter. Oui, alors au niveau de la strat, je vais changer un peu et je vais modifier l'ordre de mes Morty. Oui. Et nous allons mettre en premier un Morty qui peut combattre, ce serait bien. Donc je pensais le Morty caracolant. Changer. Voilà. Avec notre Morty de merde, Morty de base, à la toute fin. Parce que là, le but n'est pas de le mettre en premier pour qu'il ex. Ah, pour ouais. qu'il up. Up and down. Mais le but étant d'être stratégiquement fort. J'ai dépensé tout mon argent, là. Vraiment tout. Ah, mais tout est pété. Wow. Oh putain, il y a un truc trop chelou qui se passe. Bon, on va voir. J'ai dépensé tout mon argent dans des sérums et tout. Mais là, on voit que les membres du conseil ont été tous emprisonnés. Et que le dernier sera un méchant. Rick de... De merde. Rick le fou mystérieux, c'est comme la Team Rocket. Bienvenue dans mon équipe, Rick. Que penses-tu de mes changements? What? Rick le mystérieux, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, Rick du premier ordre nous dit qu'il est devenu obsédé par le pouvoir. D'accord. Laisse nos Rick le contrôle de la situation et pas un meilleur entraîneur que moi. Ok, donne-moi ton Morty, il est si pur, le plus pur de tous. Mais je veux pas du tout donner mon Morty, bah si, j'aimerais bien en fait. Et Morty, qu'est-ce qu'il y a? Je me sens mal, laisse-moi m'en charger. Merde, mais non, mais j'ai pas du tout envie que... Et on se bat du coup contre lui. Oh la vache. Ok, niveau 45, on est grave dans la merde, en plus il commence avec un type ciseau. On est grave dans la merde, je vous le dis d'avance. Bon. On va essayer de se battre, mais alors là, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'étais pas du tout spoilé. On a un retournement de situation à la con. Camelot, allez, vas-y. Ah, c'est putain, fait, c'était sous. C'était sous. Wow, trop classe, Morty automatique. Ok, on va changer. Donc, type ciseau. Notre Captain Morty qui est vraiment pas top. Chier. Chier. Ah, tu m'étonnes qu'il est pas top, regarde ça. Piraterie. Bah, il a que des attaques à la con. Des attaques juste pour regagner de la.
Bon, après, c'est pas horrible. C'est pas horrible. On peut peut-être réussir à le battre quand même. On va faire sabordage pour voir. Oh la vache. Oh la vache. Ah non, c'est vrai que c'est chiant ça. Ça nous dit que c'est une attaque, mais c'est pas une attaque, sabordage. C'est un truc qui, tu vois, qui, oui, j'ai vu, ouais, comme les, qui comme les violettes. C'est chiant. Ouais, évidemment. Ouais, j'ai vu. Ok, donc on va prendre un petit feuille, forcément. On va peut-être réussir à le battre, hein. C'est possible en fait. Hein. Ce serait bien, mais alors s'il faut se taper le membre du conseil derrière, on est pas dans la merde. Hein. Je vous le dis d'avance. C'est ça le truc, ouais. Ok, c'est bien. Donc, attaquer, épouillage. C'est vrai qu'il a pas d'attaque typée, lui. Mais il fait mal, quand même, ça va. Ok, je suppose que ta défense augmente, vu le nom de ton attaque. On va utiliser régénération, on va voir si ça lui fait vraiment mal. Non, c'est horrible. Mais ça me redonne un peu de vie. Mais bon, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible, clairement. Même pas les attaques jaunes. Bah, je les trouve pas assez puissantes, en fait. Ce serait vraiment puissant, ça... Ça nous redonnerait de la vie, ce serait cool, mais ça nous donne vraiment pas assez de vie, en fait. Oh non, bah, en sensationnel en plus, putain, chier. Et ça fait de moins en moins mal ou quoi? Est-ce qu'il a augmenté sa défense quoi? Très bien, on augmente notre attaque, c'est pas trop mal. On va changer, on va mettre notre petit Morty de base. Sandar est très concentrée, elle ne parle pas de tout l'épisode. Je sais pas ce qu'elle nous fait. Je suis en panique. Non. Non, mais j'essaie de réfléchir en même temps. Voilà, donc ma strat est cool. Donc on va tourner notre Morty. Ah, même pas, on va réussir. Bah, très bien. Très bien. Très bien. Donc c'est un type quoi? Ciseaux, hein. Ciseaux, ouais. Donc on va balancer notre Morty le vagabond. Hein. J'ai pas envie d'utiliser mon trou noir. Hein. Je le garde au cas où. S'il y a vraiment un Morty de ouf qui tombe, ça c'est possible. Oh là, il fait mal quand même. Hein. Putain. Je lui fais mal aussi. Ouais. Mais il me fait mal. Après, il faudra pas hésiter à utiliser les sérums et tout. Hein. C'est ce que je viens de faire. Ah oui, c'est vrai. Exact. Je suis bête. En même temps. Donc, j'ai envie de te dire, Sandar, la mémoire, ça se travaille, parce que là, c'était il y a deux secondes. Hein, oui, c'était il y a deux secondes. Oh là 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 là. C'est pathétique de quoi? Mais non, mais s'il attaque deux fois de suite aussi. Oh, mais pourquoi il a attaqué deux fois de suite? Ça, j'arrive pas à comprendre, des fois. Bah, caracolant. Hein. Y'a pas le choix. Bon, c'est pas trop mal parti. On devrait réussir à le battre, mais... Ça va être difficile, il va falloir utiliser. Il attaque tout le temps en premier et qu'il fait deux attaques de suite, quoi. Et il envoie qui? Donc c'est un type. On va changer. Il est vraiment chiant, je te fous, il est puissant. Ok, un sérum puissant. Sur toi, oui, oui. Ah, déconne pas, Mich-Mich. Il va me faire mal. Oh la vache! Allez, sérum pur, c'est parti. On y va. C'est le fait pour. Il a fait une attaque critique après. Donc je me dis, attaque critique. T'as une chance sur chemin en faire. C'est ça, donc ça va. Oh, il fait mal quand même. Non, ça va. Non, ça va, c'est gérable. Je peux attaquer plusieurs fois avant de mourir quand même. C'est l'attaque critique, elle a fait trop mal. Ok, donc lui il doit être de type papier, ouais, je crois. Je suppose. Donc on va lancer notre petit type Morty Trou Noir. Tu t'en débarrasses. Mais écoute, niveau 50, ouais, je me suis dit. Allons-y, implosion. Forcément, il a réussi à attaquer en premier. J'ai eu peur qu'il me one-shot en fait. Vu son niveau. Ah, nickel. Parfait. Là c'est bon, on est bien. On pourra balancer le caracolant. Attaquer régénération, ça va être un peu léger, mais bon. Putain. Erreur. Ça c'est con, parce que du coup, ça a pas fait grand chose quoi. Oh, bah attends, c'est pas mal. On va faire que ça. Fais-moi un autographe, vas-y. Ça vous grave le coup. Attends, c'est génial. Elle fait trop mal en fait sur le même type que lui là, c'est trop bizarre. Ouais. Comment ça se fait que ça fait ça? Non, parce que le mortier en face est très puissant, je pense. C'est ça. Hein. Tu penses? Ouais. Je sais pas, c'est bizarre.
Donc là, on en a battu, il nous en reste plus que deux. En sachant que nous, on a des sérums, des machins. T'as vu le nombre d'XP que t'as gagné? Ouais, 2000 et quelques. Ouais. Ah bah ouais, ouais, mais ça déconne pas là, attention. Allez, pouillage, fais un truc bien. Ouh, c'est très bon ça. Oh. Avec un coup critique, ça fait plaisir. Le coup de tête, pas trop. Oh, nickel. Un petit régénération, s'il te plaît. Au top. Yeah. Ah là, on est bon là. On est bon là. Qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Mortil Vagabond, putain. Oh, c'est le même. Oh la vache. Bon, on va lancer Mortil Vagabond. Je pense que ça la sera ta affaire. Rip him limb from limb, Morty. Oh, c'est un même niveau en plus. Oh la vache. Et tiens, plus de PV. Écœurement. Donc la vitesse de l'ennemi, on s'en fout. Humiliation, c'est quoi? L'attaque... Ok, nickel. Ah, c'est un coup critique, ah bah ouais, du coup son attaque a carrément baissé, ouais. Carrément baissé. On s'en fout, mon gars. Tu vas rien pouvoir nous faire. C'est ton dernier. On est bon. Et là, j'ai commencé à attaquer. Tu me fais pas mal du tout. Kaamelott. Allez! Oh, si c'est un combat de Kaamelott, je vais gagner, mon gars. Je vais te le dire. Alors, écrasement. Est-ce que ça va lui faire plus mal? C'est pareil. Oh, en plus, il rate son attaque. Mais t'es nul. T'es nul. T'es mauvais, Morty. T'es mauvais, Jacques. Morty. Écrasement. Allez! Oui, on a gagné. Ne faut pas avoir peur, t'inquiète. Oh, trophée de monde des conseils. Défaite Mysterious Rick, trop cool. Ok. Et j'ai atteint le niveau 13, donc qui n'a rien à voir, mais dans. Sur les jeux Android. Continuez. Et j'ai récupéré mon pistolet portail. Ça, c'est la fête. Et 3000 Schmeckles. Et une méga graine d'attaque. Et une méga graine de vitesse. Et une méga graine de défense. Et une boîte de Monsieur Schmeckles. Et 3 coupons. C'est une boîte. T'avais capté que c'était une boîte de Monsieur Larba, en fait. Bah, bien sûr. C'est la boîte où t'appelles pour avoir Monsieur Larba. Et c'est, en fait, quand tu l'utilises, j'aurais pu l'utiliser, j'en ai plein en plus en stock, ouais. Mais c'est, ça tue instantanément notre Morty en face. Instantanément. Cool. Non, mais stupide Morty, ils ont laissé tomber leur entraîneur, leur glorieux entraîneur. Je suppose que tu n'es pas le meilleur entraîneur du multivers, hein. Garde vite, maîtrise Eric le mystérieux tant qu'il est fait, nanana. Classe. Et que tu nous as sauvés. Ah, comment pouvons-nous te remercier? Eh ben écoute, j'ai déjà mon pistolet portail. Pas si vite, j'attendais le bon moment, l'autre, c'est bon. tu as trouvé le bon moment pour être courageux. Attends que tout le monde entende parler de ce petit incident. Tu seras arrivé. Tu ne vas pas oser. Ce qui s'est passé dans la salle de conseil, reste dans la salle de conseil. Mon cul, je m'en fiche. ouais, t'es le meilleur entraîneur. C'est vrai, on est le meilleur entraîneur. Ouais, c'est clair. Donne-moi cette ceinture ou je vais en parler à tout le monde. Une ceinture? Ok. C'est un simple Rick. Tu as raison, je pense que ta cape fera l'affaire. J'imagine que tu n'en auras plus besoin. Cool. Waouh. Waouh. Ah, t'es plus le costaud. On est Rick. Non, c'est pas grave. Allez, attends. On a réussi, Morty. On est au sommet. Je savais que tu étais capable de grandes choses, Morty. J'ai toujours cru en toi. Ouais, Rick. Mais il a servi à rien, Morty. Je suis désolé. Hein. Nous avons le plus important. On peut enfin rentrer à la maison. À la maison? Pourquoi rentrer à la maison? On est célèbre, Morty. Connais tout le multivers. Pense à la gloire. Attention aux nanas. Pense aux nanas, Morty. ok. Je vais pas tout lire, c'est pour ça. Il reste encore beaucoup de Morty qui ont besoin de notre aide, non? C'est bon ça, Morty, essaie d'attraper plus de Morty. Rick et Morty, l'aventure pour toujours, prêt à en découdre. C'est ma phrase d'accroche, Morty. Je la répète tout le temps. Ok. Donc là. Tu as battu Rick le mystérieux à tous les membres du conseil, mais tu peux attraper tous les Morty pour l'interrogation. Ah, et oui, écoutez, voilà. Oh, il y a une statue à notre effigie, quoi. Trop classe. Attends, je pourrais passer, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que c'est marqué quelque chose? Et voilà comment se répond la nouvelle, Rick. Trop bien. Donc oui, c'est ça. Donc pour moi, on a. Entre guillemets, fini l'aventure. Ouais. Il nous reste maintenant à attraper les Morty. Mais je pense que ça, on va pas le faire parce que c'est pas intéressant spécialement en vidéo. Non, hein. Non. Donc je pense qu'effectivement, on était sur le dernier épisode. On va en tout cas dépenser tous nos coupons. On va se faire plaisir. On va regarder un peu ce qu'on peut avoir. Après, est-ce que je retournerai sur le jeu chercher d'autres Morty? Peut-être. J'en sais rien du tout. Franchement, je vais pas vous mentir. Il nous faut des putains de un curum pur. Je sais même pas ce que c'est. C'est nouveau. Méga graine de vitesse. Ah wow, Morty la saucisse au niveau 45. Trop cool. Trop classe.
Équipe pleine, oui. Et du coup, je pense pas qu'on fera de vidéo dessus, à moins qu'on ait tous les mortis un jour, mais je sais pas si ça a trop un intérêt de vous montrer. On a tous les mortis, tu vois. Ouais, non, parce que... Ouais. Autant que les gens aient du suspense... Exactement, il y a plein d'autres mortis à choper, vraiment cool. Alzinger, et pourquoi j'ai jamais de mortis à 3e niveau 45? Par contre, j'ai que des mortis 45, quoi, c'est trop classe, quoi. Ouais. Un morti de ouf, s'il vous plaît. Tu veux quoi, toi, du gel? Bah, du tube de jus turbulent, voilà. Exactement. Faut le demander. Une passe manipulatrice, une graine de défense. Waouh, morti de papillon niveau 45. Trop classe. Allez, on craque tous nos trucs, c'est marrant. Ouais, là, c'est bon, c'est la fête. Oh. Un câble, un sérum, une pierre plutonique, un courrier flasque. Et un mortitantia, mais de niveau 44, c'est ouais. Ça qui peut être intéressant. Bon, là déjà, c'est un peu con. Autant avoir des mortis qu'on n'a pas, parce que le but étant d'attraper tous les mortis. Voilà, à un moment... Un cercle imprimé, un sérum puissant, un sérum institutionnel, une méga grande attaque. Oh. Mortis le mutant en romaine au niveau 45. Il est beau celui-là. Carrément classe. Et voilà. Donc, c'est voilà. On va juste aller voir un truc. Pote, qu'est-ce que je voulais aller voir? Je ne sais plus. Est-ce que déjà toutes les les trucs sont fabricables? Est-ce que toutes les recettes ont été débloquées? Est-ce que j'ai fini le jeu? Pas du tout. Pas du tout. D'accord, donc non. C'est pas juste. C'est pas juste, trop pas content. Ok. Donc ça, non déjà. Non. 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 Mais bon, j'aurais débloqué presque toutes les recettes quand même, faut pas déconner. Est-ce que on peut regarder notre équipe? On va juste regarder notre équipe, voir si on peut enfin enlever notre morti, mais j'y crois pas. Est-ce qu'après le... enfin, cette période inchiante à cause de l'histoire, fallait garder son morti? Est-ce que maintenant on peut l'enlever et avoir une vraie équipe qui déboîte? Et puis on va juste aller voir dans un monde si ça change un peu. Voilà, c'est tout. Mais ouais, je ne pense pas. Parce qu'est-ce qu'il y a toujours des Rick... des Rick... alors attends. Stockage. Modifié. Est-ce que je peux l'enlever? Toujours pas, donc c'est vraiment la merde, clairement, on peut le dire. Le mortier enrhumé qui va remplacer mon mortier le trou noir, du coup. Ouais. Allez, on va se le mettre. Voilà, et puis... et puis voilà, quoi. T'as un ciseau à remplacer. Ouais, j'ai un ciseau à remplacer. Retirer. Ah, morti de papillon, carrément. Ouais, bon. Allez, c'est parti, mon kiki. Ou la saucisse. Non, papillon. Il est trop beau avec le diamant dans les yeux. Ouais. Il est vide, t'as vu? Ouais. Super classe. Bon bah franchement, ça a été en tout cas un très beau let's play. Parce que ça vous a beaucoup plu. Et puis moi j'ai trouvé ça vraiment cool comme jeu. Parce qu'en plus, comme on adore Rick and Morty, forcément, on a kiffé. Mais non, ça a été vraiment cool. Et du coup, cool vos retours. Et du coup, bah là, on a le piste portail. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec? Peux-tu retourner à la citadelle d'Eric? Oh putain, on peut retourner à la citadelle d'Eric. Du coup, c'est trop pratique pas parce que. T'es obligé d'aller au membre du conseil, du coup, forcément. Enfin, au Rick de. C'est ça. Et du coup, on peut directement attraper des machins, rentrer. Changer de monde. C'est trop bien, putain. Mmh. C'est vraiment trop fun. Alors attendez, si j'essaye d'aller par exemple. Attends, mais y'a pas un sauvage là? Y'a pas un sauvage quelque part? C'est quoi le délire là? Y'a plus aucun. Morty sauvage? Non, je sais pas, moi j'en vois pas là. Mais si, si. Voyons. Donc là, voilà, on peut en choper si on veut. Oh, what? C'est quoi ça? Ah! What? Morty le vampire. Morty le vampire, trop classe. Ah, il y a d'ailleurs son... son homologue. Ouais. On va essayer de se le choper, tiens, pour la fin. Morty aïeul. Excellent. Trop classe. Il est beau. Carrément. Donc on va balancer un type ciseau, hein, pareil que lui. On va trop lui faire mal et on va essayer de le choper. Shut up, Rick. Ouais, bah tu travailles ta best. Ah, mais c'est quoi le truc là? What? C'est une blague. La blague. Mais j'étais obligé de rire, du coup. Mais c'est quoi le truc? Le mec, il me fait trop mal. Ah, il a raté son... Attaquer, coup sec. Non, t'aurais dû faire une... Ah non, pas un type qui est meilleur que lui. Bah tu... Ouais. Oui, oui. Ah, essaie de le choper. Objet. Plus manipulatrice, j'en ai qu'une en plus. Va-t-on finir l'épisode sur un fail? Ou sur un nouveau morti trop classe? Ah, sur un fail. On finit l'épisode sur un fail. Bah c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Oh la vache. On est vraiment au top. Mais oh putain, lui en plus il peut faire des trucs de ouf quoi.
Ah bah c'est pas grave. Mais franchement, cool à avoir celui-là. Franchement, il peut être vraiment cool. On essaie de se le choper. Carrément. Bon, en tout cas, si jamais j'y rejoue à ce jeu, on va essayer de rentrer pour voir. Cool. Si jamais je pensais qu'il y aurait une animation avec le portail. Oh, c'est pas grave. Si jamais je rejoue à ce jeu, vous aurez peut-être des petites photos sur Twitter si on arrive à choper des Morty de ouf. Hein, ouais. Ça peut être rigolo. En tout cas, voilà. C'était le dernier épisode de Pocket Morty. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous voulez qu'on fasse par la suite comme let's play. Voilà. Ouais. En ce moment, je joue à Zelda Breath of the Wild, mais bon, c'est hors de question de faire un let's play dessus parce que le truc est immensément long, c'est même pas la peine, je peux pas. Il faut des jeux courts, des jeux courts, des jeux où il y a une histoire, ou des jeux mobiles comme celui-là, qui sont plutôt cool, mais là c'était parce que c'est l'univers hein, entre Pokémon et Rick and Morty, donc on était obligé de le faire. Ouais, ouais. Obligé. Voilà, sur ce, bah, laissez-nous un pouce bleu pour ce dernier épisode pour nous soutenir, un beau commentaire de fin, ce serait gentil, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour qu'on atteigne enfin les 1000, ce serait cool. Ouais, ce serait bien. Ouais. On vous fait plein de gros bisous, merci encore pour votre soutien sur ce Let's Play, et à très bientôt pour un nouveau. Salut!